Oh! Vas-y, fou! L'ancienne. Fête des ignames est une, disons, c'est la fête la plus importante en fait chez les Agni. On dit merci aussi au roi qui est là, en leur nom. C'est pour cela que lui doit goûter. S'il n'est pas mort, demain nous tous nous allons manger. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Désiré Kipri. T'as de quelle ethnie? Bété. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Yeni. T'as de quelle ethnie? C'est une fois. Atik. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Faut pas venir chez elle. Et puis. Bonsoir. Comment vous appelez? Monsieur, vous dansez, monsieur vous monsieur. Mettez-vous devant, devant. La fille reçu les pas. La régie, toquez la machine. Bravo, au champion. Et bien, tu as
Chercheur indépendant, en fait, qui s'intéresse aux traditions africaines et aussi, surtout, à l'Égypte ancienne. La fête des Ignames est c'est la fête la plus importante, en fait, chez les Agni, et c'est l'occasion de communier avec les mânes des ancêtres, mais c'est surtout aussi le nouvel an, en fait, ça célèbre le nouvel an en pays Agni. Donc, pour la jeunesse, c'est de se ressourcer, apprendre son histoire, connaître ses us et coutumes. Donc d'où l'intérêt de participer à la fête pour apprendre, voilà, et comprendre et connaître son identité. Nous sommes venus participer, en fait c'est un moment de haute spiritualité. Parce que bon, aujourd'hui, nous prenons nos traditions comme des folklores, mais quand nous parlons de sacré en pays Agni, justement ça commence par la fête des Ignames. Et ici nous sommes à la cour royale, qui est le lieu par excellence en fait, de la tradition. Donc, ce sont des moments très importants pour se renouveler au niveau énergétique, au niveau de la spiritualité, communier avec les mânes des ancêtres. Parce que c'est dans cette occasion que, grâce aux visions des Ngomia, l'on peut savoir sur l'année ce qui va se passer et comment il faut conjurer le mauvais sort et tout ça. Donc, c'est tous ces éléments qu'il faut mettre... il faut tenir compte de tous ces éléments pour faire une lecture complète, en fait, je veux dire, de la fête des Ignames. Et puis, ce que je voulais justement ajouter, c'est que la fête des Ignames est fixée selon un calendrier qui n'est même pas connu, en fait, de la majorité, je veux dire, de la population, je dirais, ivoirienne.
et même des années, parce qu'il s'agit d'un calendrier de 42 jours. Il y a combien de personnes qui ont entendu parler du calendrier de 42 jours? Voilà. Quand les Africains disent qu'ils ont conçu le calendrier, le système calendaire, effectivement, ça partit du calendrier de 42 jours, qui est basé sur une semaine de 7 jours, une semaine de 6 jours. Bon, ça, c'est des éléments techniques. C'est vraiment de la haute mathématique. Hein. Ils ont posé un acte de bravoure. Cet acte de bravoure-là, ça, moi, je dis à tout le monde, à qui veut l'entendre, que si eux n'avaient pas posé cet acte, celui qui a dit, moi, je vais manger, demain, si je ne suis pas mort, allez, tout le monde mange. Vous pouvez faire ça. Vous voulez mourir à la place des autres. Et notre guide a décidé de faire ça. Donc, pour moi, quand on doit célébrer cela, on vient dire merci à Dieu. Merci à nos ancêtres, tous ceux qui ont été rois, tous ceux qui ont été avant nous pour que nous nous soyons aujourd'hui. Parce que nous étions cela, nous n'allions pas naître, on n'allions pas dans la famille royale. Donc je pense qu'en se retrouvant ici, on vient leur dire merci. On dit merci aussi au roi qui est là, en leur nom. C'est pour cela que lui, il doit goûter. S'il n'est pas mort, demain nous tous nous allons manger. Donc c'est l'histoire qui se répète. Donc voilà pourquoi nous devons nous réjouir lorsque le roi nous appelle pour dire qu'il est temps de venir magnifier encore nos ancêtres, de venir célébrer le tubercule qui nous a permis d'être en vie. Alors donc, c'est en ce moment, en le faisant, c'est à Dieu qu'on pense. Donc Dieu, c'est notre frère, Dieu, c'est celui que quand vous ouvrez vos yeux, vous voyez. Donc c'est pour cela que parents et amis se retrouvent autour de notre souverain pour célébrer cela. Donc, soyez toujours là pour apprendre auprès des aînés. Donc nous sommes toujours là. Merci à vous aussi.